Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour cette nouvelle escapade dans le Sébastopol en essayant de survivre aux différentes rencontres avec l'alien. Bon, ben on va continuer la partie que nous étions en train de livrer aux dernières nouvelles. Neutraliser un lambda, je t'en foutrais, c'est vachement solide ces conneries. Bon. On est parti. Donc pour ceux qui prennent le stream en route, je vous rappelle que vous pouvez le retrouver en highlight sur cette chaîne Twitch ou sur la chaîne YouTube Artemus Albion, qui est ma chaîne. On est à bord du Sébastopol, on joue Amanda Ripley à la recherche de sa maman. Et là, on essaie surtout de sauver nos miches. Voilà, c'est ça. Bon, on y croit. On a déjà croisé l'alien une fois. On l'a aperçu une autre fois en train de dérouiller un groupe de gens, ce qui est finalement ce qu'il fait le diable et tout. Et maintenant, on va essayer de survivre. Puisque maintenant, il est acquis, au cas où les gens n'auraient pas lu le titre du jeu, que la Baybait dans le bâtiment qui massacre un peu tout le monde, et bien c'est l'alien. Et là, on se dit subitement, pourquoi je suis venu? Voilà. Pourquoi? Pourquoi moi, commandant Cousteau? N'hésitez pas hein, sur le chat ou sur Facebook où vous voulez à me dire si le... Ouais. À dire si le son suffit. Je continue à tâtonner pour que ça marche. Malheureusement, je n'ai pas vraiment de moyen de me rendre compte pendant que je stream. Un émetteur de son. Alors ça, c'est typiquement le truc pour attirer la grosse bait, je le sens. Le concept de l'émetteur de son me met assez en joie, j'avoue. Oui, alors ça, c'est pas très optimisé. J'avais dit que j'allais jouer avec la manette, j'ai complètement oublié de la brancher, mais je le ferai sur... C'est quoi ça? Non. Je le ferai sur un prochain stream, parce que j'aimerais bien voir si la maniabilité est pas en plus... un peu plus adaptée à une manette, quoi. Alors... On ne tire pas en faisant un clic gauche. C'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. C'est une bonne parce que c'est... Ça évite de perdre des munitions par accident. C'est une mauvaise parce qu'il faut quand même viser avant de tirer. Ça exclut le tir instinct. Mais malgré tout, le tir instinct, c'est jamais totalement perdu. C'est pratique ces distributeurs là. J'en veux encore. Non ? Bon. C'est ça, c'est des distributeurs qui ont le pédale. Ah, le synthoniseur, c'est quand même le mini-jeu que je préfère. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord. Mercredi. Ah, c'est rigolo ça. Les mini-jeux de piratage sont pas extrêmement originaux, mais ils ont le mérite d'être sympathiques, relativement variés. En même temps, il vaut mieux ça parce qu'on a un peu que ça à faire dans le jeu, vu que. On va pas se mentir, hein, l'alien, on va pas se le faire en 1v1. Bah non, cette saleté vous envoie du sang acide et il est prouvé que le sang acide a tendance à faire fondre les gens. Hein, vous en apercevrez si vous essayez, ce que je ne vous souhaite pas. Pénétrez actuellement dans une zone interne. Faites demi-tour. Laissez-moi passer. Je dois contacter mon vaisseau. Après, je ne peux pas vous laisser faire. Ripley Amanda. Vous êtes désormais connu. Ça c'est pourquoi j'ai vu le magnifique tunnel. Il y a forcément un autre chemin. Mais oui, t'inquiète pas, Josiane, je l'ai vu. J'avais oublié qu'avant Ripley avait une fille, ce qu'on apprend donc dans le 2. Alors, il y a juste un truc, c'est qu'a priori, ce film-là se passe 16 ans après le Nostromo. Quand Ripley est parti, elle avait une fille d'un an et demi ou deux ans. Et alors après, ça signifie juste qu'il y a eu un petit peu de temps entre le moment où elle est partie et le moment où elle est arrivée sur le Nostromo. Et
Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Trouvons une solution à la diable. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est que j'ai comme vice de jouer aux Simpsons sur le téléphone et ça fait des bruits bizarres tout en entendant les notifications. Ouais, donc les lambda, comme souvent les synthétiques dans cet univers-là, sont des gros connards. On est bien là, je le sens bien. Ça, on est vraiment trop pour l'ouvrir. J'aime pas trop les conduits, c'est sûrement très pratique, mais j'en connais un autre qui utilise les conduits, moi. Ouais. Alors, est-ce que j'ai un moyen? Donc, il faudrait que je le fasse là. Combien j'ai de temps? 1, 2. Ouf, oulala. Ouais. Je vais essayer de sauvegarder avant, ça sera fait. Oh, ta gueule ouverte. Vous voyez, c'est un peu envahissant comme application. Sympa pour les fans des Simpsons, mais très envahissant, donc je vous la conseille pas de ce point de vue-là. Ouais. Donc là, je sais qu'il y a un synthétique qui est à minimum belliqueux. Hein. Peut-être que je peux trouver quelque chose dans le Sevastolink. Bon, donc je ne pourrais pas désactiver les caméras par là. C'est dommage, j'aurais été fêté de me tenter. Alors, pour ceux qui ont vu le second stream, je me rappelle que la dernière fois que j'ai voulu assommer un Android, je l'ai un peu payé, donc je vais me détendre maintenant. Venez avec moi, s'il vous plaît. Ah, d'accord. T'as le droit de me laisser partir, s'il vous plaît, calmez-vous. Ils sont graves, c'est ça, c'est quand même. Je sais que vous êtes par là. Oh putain, ça c'est énorme. Alors là, j'avoue, c'est énorme ça. Je dois vous parler. Énorme. Je perds un temps précieux à la compagnie. Rentrez-vous, je vous prie. Les tâches qui m'ont été confiées sont prioritaires. Ça fait beaucoup de bruit, ça. Je suis en train de me dire qu'il y a deux connards que ça peut attirer ça. Je rate mon école, quelqu'un est tout.
J'aurais peut-être pu tenter de la pirater plus vite que le truc ne tourne, mais... Là, je vais compter combien de temps j'aurais mis quand je le ferai. Il manquerait plus que je ouvre la porte et que je tombe sur ce sympathique alien, tiens. Ah, ça se piratait pas. 1, 2, ouais, non, j'avais absolument pas le temps de passer. C'était pas une porte à pirater, c'était un ascenseur. Eh, vous nous avez déjà fait le coup de l'ascenseur qu'on attend, alors là, vous pouvez, il peut venir, là, c'est pas un problème. Alors là, je pense que c'est le moment d'adresser à mes camarades synthétiques un message qui pourrait être « Je vous nique ». Oui, je suis employé, n'en faites pas pour moi. Berlin, haha. Ça, pour ceux qui se rappellent le plus, c'est ce haut putain. C'est le message qu'avait envoyé Verlaine quand on est arrivé. Deux synthétiques, donc mauvais plan, je peux passer par là. Je vais AFK une seconde juste avant de voir si le live fonctionne. Heureux. J'ai pas été long. Communication extérieure désactivée sur ordre d'Apollo. Poste hors ligne. Toutes les communications en cours sont suspendues. Oh, super, il manquait plus que ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. Ah, ah. Donc ça c'est ça, ensuite c'est ça, après c'est ça. Oh, easy comme entraînement les gars. Alors l'idée ça serait d'expliquer à Lian d'aller se faire foutre. Oui. Je suis Diane Verlaine. Ah, merci, j'étais à bord. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du Nostromo. Nous demandons l'autorisation de son transfert immédiat. À vous. Ah oui, ça c'était ce qu'il répondait, on l'entendait pas. C'est cool ça. Ok.
Donc la situation est critique. Et ça, mon petit Dominique, ça va venir bouger de travailler. Des risques avec mes copains les synthétiques. Et comme vous avez pu le constater, les synthétiques c'est un peu des têtes de con maintenant. Petite angoisse. Ah, le bruitage de la grille d'aération qui s'ouvre, à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'ouvre derrière moi. Alors il y a effectivement un truc qui s'ouvre, mais c'est pas menaçant. Et comme dans ce jeu, on se sent vite menacé. Ah, je peux passer là-dessous. Donc je pourrais me cacher là-dessous. Lâche ? Pas vraiment. Je préfère dire prudent et conscient de mes faiblesses. Si l'état de la station vous est agréable, ils n'ont pas l'air très réactifs, les garçons. Bon, à droite, j'ai un synthétique qui regarde pas dans la bonne direction. Faut savoir que là je suis en mode scruté donc il ne me voit pas. En gros je passe un bout de tête. Je t'ai un œil. Oh merde. Ah bah si en fait, quand je scrute il me voit. Se baisse pour regarder sous la table, je beugle comme un gros putois. Vous êtes prévenu. Hein. Aïe, les enfoirés. Ah ouais. Tu veux te la jouer? Tiens, regarde. On va voir si tu peux tirer quand t'as plus de genoux. Tiens. Hein, t'as plus de genoux? Non mais ça finit, oui. Non mais c'est ouf, il me latte à coups de pied. Oh, Clodo, je suis limote sous la portière, tu m'expliques? Sous la table. D'accord, génial. Tiens. Prends sa balle. Ah ouais, d'accord, une balle par une balle, sympa ce truc. D'accord, c'est énorme. Donc là, faudra juste me dire comment il arrive à me mettre des coups de pied, ça m'intéresse, au plus haut point. Bon, mais moi, c'est une chose à tenter alors. Courir. Technique dite de placard. Eh ben putain. Mais ah, d'accord, ok. Donc, pour utiliser un objet, ça me fait sortir du placard. C'est très très embêtant. La 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 la. Vous allez vous faire mal. Tranquille, c'est ça. Tire-toi, je te dis. Ok, je vais essayer de jouer à l'envers. Ils ont l'air plutôt rapides, mais ils sont pas très malins. Est-ce qu'il y a un placard ici? Je crois, tant pis.
Oh non. Ok, ils m'ont pas vu, tout va bien. Easy. Moi je dis easy. La recharge des balles une par une, on va pas le faire ça. D'accord, maintenant elle en recharge plusieurs. Ça mérite un petit tuto ça quand même. Ok. Je vais essayer de pirater ça. Ouais, il y a des portes qu'on peut pirater parce que le scénario le permet, il y a des portes qu'on peut pas pirater parce que le scénario le permet pas. Et ça, ça mérite un grand nom. Zixon, ensemble pour demain. Plus le tour. Ils ne sont pas ces droïdes là que vous recherchez. Leur champ de vision m'a pas l'air complètement déconnant. Putain, ils vont encore venir me casser la gueule. Grâce à Sixon, quelqu'un est toujours là pour vous. Ah ouais, ça, j'ai vu. Mais j'y pense, les dispositifs qui font du bruit, je pourrais peut-être m'en servir pour attirer ces deux glands. Mais vous n'êtes pas les seuls, mes petits potes, vous n'êtes pas les seuls. Ah l'enfoiré. Ça c'était pas prévu. Oh la vache. Je pense qu'on est pas mal. J'ai désactivé les caméras, j'ai laissé la lumière, je pense que je suis pas mal. Ouais, je suis un couard, ouais. Ah ouais, puis je m'en fous en plus, voilà. Pas mal d'effets de flou quand on regarde le détecteur de mouvement. Intéressant. On est concentré là-dessus, pas sur le reste, donc c'est bien pensé. Je vais sortir, je vais le prendre sur la gueule, je le sens. Ah.
n'entends rien, je ne vois rien. Donc, peut-être que je ne risque rien. Mauvais pour le cœur ce jeu. Plein d'ordinateurs là-dedans, ça c'est bien. D'accord, rigolo. Des valeurs. D'accord. Bah c'est bon. Samuels, vous êtes vivant. Ici Ripley. Ripley, quelle heure c'est Ripley? On s'inquiétait. J'en suis sorti. Où êtes-vous? Nous sommes actuellement dans une gare de transit, à côté du centre de soins. Entendu. Samuels, écoutez-moi. Vous n'êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixon. Leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible. C'est contraire à toute la programmation de synthétique primaire. Messieurs Samuels, je suppose que Sixon a une conception différente des synthétiques. Et il y a autre chose. Une créature énorme et meurtrière. Ripley, calmez-vous. Quelle créature? Toi, t'es un synthétique. Une forme de vie, une c'est espèce sûr, inconnue. Depuis le début. Une sorte d'organisme alien. C'est extrêmement dangereux. Taylor est... Ripley, Taylor est blessée. Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Quel est son état? Je ne peux pas la déplacer. Il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne les blessures. Torrance? La radio vient de nous lâcher. Impossible de contacter Verlaine. On est tout seul. Oh, merde. D'accord. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Communication non autorisée. Veuillez patienter. Un membre du personnel Dixon a fait une oui, oui. Non, non. Foutez-moi tranquille, monsieur, s'il vous plaît. Ah ah, voilà un joujou qui m'a l'air fort intéressant. Une mini-EM. Hein, les synthétiques. Alors. D'accord, ça j'ai déjà fait. C'est parti. Ça bug. Je veux me casser. Ok, ça bug. Eh ben dans ce cas-là on reload, hein, c'est pas compliqué. Tu m'étonnes. Grosse bébête qui vaut plein de sous.
vraiment un joli travail d'ambiance dans ce jeu, c'est vraiment très très réussi. Avant de sortir, je regarde où je dois aller. Je dois tout retraverser. À moins que dans ce bureau, il y ait... Putain. Je ne m'approcherai pas de ça. Je sais pas pourquoi, à cause de Fallout, je crois que j'ai l'habitude de faire tab pour sortir des menus. Interrupteur GNR engagé. Veuillez rester à l'écart. Non. Parce qu'instinctivement, votre truc ne me plaît pas. Je vais aller de là, et puis toujours tout droit, et je prendrai à gauche, et oui, c'est une grosse artère. Je ne sais plus, je crois. Sinon, je me rappelle, hein, je t'ai revu un endroit passé par là. Oui, 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 mais c'est pas grave, fais comme si j'étais pas là. Bah, faites tous comme si j'étais pas là, hein. Communication centrale, accès réservé. Bonjour, non, non, moi tranquille, vermine. Allez, casse-toi, Android 2002. Ah, mais ils sont pleins, dis donc. On va passer, hop, on va passer. Aïe. Sale bête, sale bête, sale bête, sale bête, sale bête, sale bête. Bon, logiquement, ils m'ont tous suivi. Et je sais que j'ai tout passé ici. Ça, je me le rappelle. J'ai bien stressé de cette zone-là. On est parti. Ah, Tintoros, casse-toi. Wesh. Allez, on va courir jusqu'à la porte. Les lambdas sont forts, mais ne court pas. C'est bien là, hein. Oui, c'est bien là. Ils vont pas oser me faire ça, quand même. Oh non, encore le même endroit que tout à l'heure. Mais, putain, Errare Humanum, cette persévérare diabolicum. Faut que je revienne sur mon pas, que je prenne la droite. Ok, bon, on va encore essayer de courir plus vite que. Hop. Et ouais, les nazes. Vous êtes. Putain, je me suis coincé tout seul. Oh la vache. Ils ont une tendance naturelle au boucaquet qui est assez flippante, ces garçons. Oh. C'est que, et ça aussi je le sais par expérience, le bruit a tendance à attirer quelqu'un. Voilà, je m'en fous, j'y vais en mode super connard. Hein. Là, il faut passer quoi qu'il arrive. Là, il faut courir. Parce que lui, il va arriver, et avec les jambes cassées, je courrai moins vite. Mal à me repérer là, alors. Je reprends l'escalier. Ouvre-moi, merci.
devrais signaler aux gens que je suis en train de streamer. Oh la saloperie! Ouais, alors, comment dire? Ça, c'est un peu too much quand même. Non. Ah bah si, il faut que j'en fasse tout. Oh non, c'est sérieux? Ouais, alors ça, le côté Death and Retry inévitable, je suis pas fan du tout, du tout, du tout, du tout. Non, j'ai compris. Je vais galoper. Et j'ai les emmerdeurs. Bon, on a tout lu, là. Je le fais au cas où lire certains trucs débloquerait des solutions. Ah non, j'ai pas tout à refaire. Bon, ça ira. Maintenant, je connais à peu près le chemin, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc ça veut dire aussi que le loot est aléatoire puisque tout à l'heure c'était un détecteur et maintenant c'est le détecteur. Oh l'enfoiré, j'ai pas vu arriver. Ouf, c'est que mal ça. Ok, maintenant je sais où je vais. Vous ne me niquerez pas deux fois, les gars. Salut, nounou. Attention, strafe. Dégage, ailleurs, raté. Ok, donc par moment ça passe et l'autre ça ne passe pas. Dépêche-toi. Merci, Ripley. Donc là, je sais que j'ai un Death and Retry qui m'attend. Je vais essayer de pas me faire niquer tant qu'à faire. C'était où? S'est fait tuer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un point de sauvegarde par ici? Je crois savoir qu'il y en a un. Ah mais un réparage, est-ce qu'il est... J'ai pas tellement envie de revenir sans départ. J'ai lu ça ou pas? Non, de toute
façon, j'imagine qu'il va. Bah, tiens, ce serait pas mal qu'il coupe les fichiers si on déclenche une alarme. Il y a un bruit, hein. Sauvegarder. Bonjour. Faites pas attention à moi. D'ailleurs, c'est bien simple, je ne suis pas là. Ouais, hein, ça se voit que je surveille un peu les conduits maintenant. Oui, oh bah oui. Bon, alors c'est là que ça se complique parce que sauf erreur, c'est là que je suis mort. Ah, il m'a vu. C'est la question que je me posais justement, dis donc. Est-ce que tu m'as vu, hein? Bon. Donc il ne me reste plus qu'une seule solution. Trouver un angle et te déboîter. Là. Et maintenant que t'as plus de tête, fais-moi le malin. Non mais oh. Moi tu me le fais pas. Alors il est prouvé, hein, it is known, que quand on a plus de tête, on fait beaucoup moins de mal. J'ai vu un truc de sauvegarde. Je vais sauvegarder. Ouh, ah, on peut se cacher là-dedans. Là, c'est bien ça. Où est-ce que j'ai vu un truc de sauvegarde? J'aime autant être crevé comme un déchet, ça me change. Voilà, ça c'est bien ça. Moi j'aime bien. Alors. Il va falloir que je descende. Ah ben non, voilà, c'est là que je me suis buté comme un caca. Voilà, j'avais repéré la vilaine grosse bête. A priori, elle m'avait repéré aussi. Peut-être plus celle que moi d'ailleurs. C'est que je sais qu'il est là. Faudrait que je t'en donne envie de bouffer de l'android. Ah, d'accord. Donc j'aurais pu me méfier. De manger du synthétique. Pourquoi se rendre utile? Non. Non, 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 je t'assure. Mais t'as pas fini de casser la gueule, toi. Tiens, viens, on va t'attirer vers un copain.
se foutre dans les conduits dans ce secteur-là n'est pas du tout une bonne idée. Sérieusement, il m'a pas vu? Non. Are you kidding me? Hey, du con! Regarde, j'ai pris une balle. Viens! Ouais, viens. Allez, la lien est utile. Oh putain, il est pas attiré par les synthétiques. Ah! Sale bête. Eh ben j'ai gaspé une munition pour vérifier ça, dis-donc. Oh putain, c'est là qu'il est. Hop là. Ninja. Pistolet à la con. On va fouiller ça vite fait. Ça peut se fouiller ça? Non, ça fouille pas. Ah. Donc. Mais putain, c'est par où? C'est par où? Putain, je comprends rien à la disposition des lieux. Là, il y a le gros qui bave, ça on est bien d'accord. Ah, allez tous vous faire foutre. Oh. Bon, une fois qu'on a compris que les lambda, on peut leur échapper en courant, ça aide. Ouais, le reroutage c'est pas mal, faudrait peut-être être un peu plus renseigné sur la façon dont ça fonctionne. Parce qu'en purification de l'air, je me dis que ça doit servir à asphyxier les gens, donc j'ai désactivé plusieurs fois et ça change rien. Donc on verra. Et il manque des sauvegardes automatiques. Ça, je trouve que. Ouais, je viens de me rappeler que la dernière fois que je suis venu, je vois le cadavre d'ailleurs. Bon, et eh ben je crois que j'ai eu assez d'émotions fortes pour aujourd'hui. Je vais sauvegarder et interrompre le stream. Blague à part, cela étant, je suis revenu à un point dans lequel j'étais déjà venu, ce qui a l'air de me gaver, mais je ne m'en suis pas rendu compte, entre guillemets. C'est amené de telle façon, même si c'est dirigiste, que du coup je reviens en arrière sans que ce soit extrêmement désagréable. Parce que là j'étais tellement occupé à sauver ma peau que j'ai oublié que j'étais revenu en haut où j'étais déjà allé. Je peux vous dire maintenant, je regarde au sol. S'il n'y a pas des grosses traces de barres dégueu. Ouais. Un point de sauvegarde. Ouf. On va s'en tenir là pour aujourd'hui parce que là, j'ai un peu trop galopé à mon coup. Voilà, c'était le stream de Alien Isolation, troisième partie. On n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui parce que c'était pas extrêmement simple et qu'il fallait apprendre à compiler avec les synthétiques sans gaspiller de balles, parce que les balles sont chères. Et bien il me reste à vous dire merci de m'avoir suivi et bonne journée.